Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Alors, nous sommes aujourd'hui au Théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre. Donc, je veux d'abord les remercier les dirigeants du théâtre de nous accueillir ici, de nous permettre de tourner les 4 prochaines émissions de cette série. Donc, le Théâtre Bellecour, je souligne en passant que c'est un endroit vraiment qu'on est privilégié d'avoir ici à Nicolet et dans la région un équipement théâtral avec équipement scénique, son, éclairage et aussi une salle, des sièges très confortables. Donc, une salle de spectacle qui nous permet d'apprécier des spectacles de forte qualité et dont toute la population bénéficie. Alors, merci au Théâtre Bellecour. Je voulais aussi en profiter pour remercier les gens de Télécœur qui me permettent de continuer l'expérience de cette série d'émissions qui s'appelle 50 ans et après pour une deuxième année. Donc, on a eu une première année l'année dernière, ça s'est très bien passé. J'en profite aussi pour remercier tous les invités que j'ai eus qui ont participé avec cœur à ces émissions. Et remercier aussi les gens que je côtoie parfois sur la rue, au centre d'achat, et qui me font des commentaires par rapport à l'émission. C'est fort apprécié, c'est instructif. Donc, merci pour tout ça. Alors, aujourd'hui, bien, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Yves Thiboutat, qui est un retraité de l'enseignement et qui a été aussi un fervent syndicaliste pendant toute sa carrière. Alors, M. Thiboutat, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à notre émission. Bonjour. Alors donc, comme je fais d'habitude, j'aime ça retracer un peu la vie des personnes que j'invite afin de bien comprendre ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. J'aime ça passer par leur enfance, voir un peu comment ils ont vécu. Vous, je sais que vous êtes natif de Saint-Raymond-de-Portneuf, qui est, je pense, un village qui a beaucoup vécu de l'industrie forestière. Oui. Donc, vous avez vécu votre jeunesse là dans les années 40. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre enfance? Comment ça s'est déroulé? Oui. D'abord, mon père est arrivé à Saint-Raymond-de-Portneuf en 1936. Il est arrivé par train de Québec pour travailler pour un photographe. Dans le temps, si on se souvient... Votre père, est-ce qu'il lui-même était intéressé par la photographie, vous, non? Oui, il a appris à ce moment-là, là, okay. par ce monsieur-là. Okay. Et puis, dans le temps, il y avait beaucoup de mariages. Le samedi, là, c'était 3 mariages par paroisse. Mm-hmm. Donc, ça prenait des photographes. La fin qu'il est arrivé, il est allé rester, lui, à ce moment-là, devant l'église. Ça fait que... Au cours des années, il a rencontré ma mère. Comme je disais lors de l'éloge, lorsque ma mère est morte, c'est un pétard du temps. Votre mère? Ma mère est un pétard du temps. Donc, lui, il l'a rencontré. Il l'a rencontré parce qu'il vivait pas très loin de l'église, j'imagine, c'est ça? C'est ça. Puis, elle a resté dans le village. Elle. Okay. Et puis, ils se sont mariés en 1941. OK. Et puis, moi, je suis arrivé le 13 juin 42. 42. Donc, c'est pas très longtemps après le mariage, juste la période... Un souvenir de voyage de noces. Oui, oui, d'accord. Donc, donc, ce que vous me dites, c'est que vous êtes l'aîné de votre famille, c'est bien ça? Je suis l'aîné de la famille. Okay. Et il y a eu combien d'autres enfants à part vous dans la famille? 7. 7 enfants. Pour ne pas dire 8, il y en a un qui est mort... de façon prématurée à 6 mois. OK. Et donc, votre père, vous, il devait quoi, être dans la vingtaine, dans les années 40 à peu près? Oui. Ça veut dire qu'il a dû... Est-ce qu'il a été mobilisé pour la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Oui, mon père est allé à la guerre en 1943. OK. Donc, ça a permis à ma mère de retourner chez ses parents. Les parents lui ont dit, ton mari est parti... Vient-en chez nous. Fait que j'ai été élevé à ce moment-là par le grand-père. Puis mon père est parti à la guerre en 1943, puis il a traversé en
en Europe en 1945. Okay. Comme je dis souvent, quand il a traversé, les Allemands n'ont eu peur. Puis, ah, bon, c'est un petit bout top, quoi. Un petit bout top. Ça fait qu'il est revenu en 1945. Mais il n'y a pas eu à faire du champ de bataille. Non, du tout. Là. La guerre s'est terminée pendant qu'il traversait. Mais votre mère devait quand même être assez inquiète, là, quand ton mari part pour la guerre, c'est etc. Ça. C'est sacré. Et vous, pendant ce temps-là, vous restiez chez vos grands-parents. Mes grands-parents. Puis il y a une de mes sœurs qui est née à ce moment-là. Mon père avait des congés qui appelaient les autres des forlots. Forlots, expliquez-moi qu'est-ce que c'est un forlot. Un forlot, c'est un congé de guerre, un congé de milice et tout ça. Là. OK, c'est pour les militaires. Et puis, voir ma mère, puis ma sœur est arrivée. OK, je comprends. Et donc, il est resté, vous dites qu'il a traversé l'Atlantique. Oui. Et quand il est revenu, est-ce qu'il est resté dans l'armée pendant un bout de temps? Non, du tout. Sauf que l'armée bâtissait des maisons pour les retraités de l'armée. Notre maison, là, c'était un modèle de l'armée qu'on avait. OK. On est entré là-dedans en 48. Donc, vous aviez 6 ans ou 7 ans, à ce moment-là? Oui, okay. En première année. Okay. Première année d'école. Et puis, on est resté là pendant... jusqu'en 2000. Mais comment c'était de vivre dans un petit village? C'était une municipalité peut-être de 3 ou 4 000, peut-être, à l'époque. C'était pas un grand... À peu près ça. Et comment c'était de vivre dans un village comme ça, à l'époque? L'école primaire, ça s'est passé comment? L'école primaire... Moi, la première année que j'allais à l'école, devant chez nous, là, il ne grattait pas le chemin. Okay. L'hiver, il passait un rouleau pour taper la neige. Première année seulement. Et puis, donc j'allais au collège de Saint-Raymond. Il y avait des petites classes dans ce temps-là. On était 44 dans la classe. 44, mais pas toutes de la même année, j'imagine que ça devait être... 44 de première année. De première année, oui. Ouais. C'est un travail pour l'institutrice, elle avait... Oui, ouais, c'était un frère, ça. Frère Médard, qui avait une réputation d'être un prof hors pair. Mm-hmm. Et puis... mais à Saint-Raymond, ça grossissait. Et puis l'école ne grossissait pas. Le collège avait passé au feu en 36, je crois. Il avait rebâti. Et puis, comme en secondaire 2... Non, deuxième année... On était à l'école à l'Hôtel de Ville. L'école était dans l'Hôtel de Ville? Dans l'Hôtel de Ville. Il y avait une grande salle là, de réunion. On était là. Et puis, on a eu des congés parce qu'il y avait du monde dans le cachot. Quand il y avait une population dans le cachot, vous n'aviez pas de place pour aller... Ben non. Fait que vous deviez souhaiter que les gens prennent oui. ce bataille le samedi soir. La bagarre en Saint-Raymond. La prison soit pleine le lundi matin. Il y en avait des fois, puis c'est ça. J'ouvre une parenthèse, la bagarre à Saint-Raymond, il y en avait. Puis c'est mon grand-père qui allait séparer ça. C'était un jack de 6 pieds 1, 6 pieds 2, bien bâti. Là. Quand il y avait de la bagarre, il l'appelait, puis c'est lui qui allait. Donc, les gens faisaient confiance parce qu'il y avait des muscles, puis il était capable de régler ce genre de problème-là. Ouais. Et puis, à Saint-Raymond, là, vous dites, en secondaire 2, j'étais là. En secondaire 3, j'étais... En arrière du collège, il y avait un ancien ployer, là. Un poulailler? Qui ont converti en deux classes. OK. Donc, on allait à l'école au ployer. Aïe. J'espère que les odeurs avaient été bien nettoyées. Avec des professeurs célibataires, dans le temps, ça a défendu de se marier. Sinon, il fallait que tu quittes l'enseignement. Ah bon? Puis... En quatrième année, on était au centre paroissial. Une petite anecdote. Je m'étais blessé à un genou, puis j'avais de la difficulté à marcher. Je me rendais à l'école quand même à pied. Et puis, à un moment donné, lors d'un cours plutôt silencieux, on entend gratter à la porte. Qu'est-ce que c'était? C'était mon chien qui était là. Ben oui. J'étais obligé d'aller le reconduire à la maison. Eh ben. Puis, à partir de la sixième année,
disons que les curés, oui, commençaient à penser à nous autres, les premiers de classe, là. Ils voulaient nous envoyer au séminaire de Québec pour devenir curé, naturellement. Fait que le séminaire nous faisait passer des tests. Première année, j'ai échoué. Je suis retourné en septième année. Là, j'ai passé. Mais séminaire de Québec, par rapport à Saint-Raymond, c'est un peu loin, ça, là. Oui, donc c'est, ouais, 60 kilomètres à peu près, 50-60 kilomètres. Ouais. Mettons. Ouais, à peu près ça. Donc, il fallait être pensionnaire. Ouais. En septembre, je rentre là. Et à 12-13 ans, peut-être, 14 ans? 13 ans. Je me suis ennuyé là au début. Parce que moi, j'étais toujours dans les cinq premiers à peu près là. Puis le premier, là, c'était Luc Plamondon. Luc Plamondon, le compositeur? C'est ça. Qui vient de Saint-Raymond, lui aussi. C'est ça. Puis il était toujours premier de classe. Ouais, il était dur à battre. Voilà. C'était une bolle, ça. Ouais. Ça fait que les premiers temps là, au pensionnat, là, je m'ennuyais que le diable. J'étais quelqu'un de plutôt gêné. Donc, je me mêlais pas tant que ça au sport, au pool, au ping-pong. On avait eu congé, malheureusement, à la Toussaint. C'est la première fois que le séminaire nous laissait aller chez nous deux jours. Ouais. Là, je voulais pas revenir là, comprends-tu? Ah oui. Mais je suis retourné. J'ai fait mes 8 ans. 8 ans comme pensionnaire pour faire le cours classique? 7 ans pensionnaire. Puis à la 7e année, j'ai tellement dit que je serais externe que pendant l'été, je reçois un téléphone. Pareil, vous allez être externe. Oh, oui. Il fallait trouver une place, là. J'ai une tante qui m'a accueilli. OK, à Québec même? Oui, à Québec même. Vous étiez externe au séminaire? Puis j'étais externe, mais je me suis ennuyé du pensionnat. Bien, c'est ça le contraire. OK. Vous aviez le pensionnat, tous les sports sont organisés, puis telle heure, tu avais d'études, telle heure, tout était réglementé, comprends-tu? Mais j'aimerais revenir un petit peu avant, parce que j'ai vu dans vos notes que c'est écrit que vous avez fait de la drave. Oui, j'étais au séminaire, et puis nous autres, on finissait l'école vers le 10-11 juin, avant les autres. Et puis, mon grand-père, il s'en va à la compagnie à Saint-Raymond, la petite Saint-Raymond Paper, puis il voulait que j'aille draver. J'avais 15 ans, mais ça prenait 16 ans, mais il a dit que j'avais 16 ans. Aïe, aïe. Fait que, envoyé à la drave. Le premier matin, pas trop habitué, puis on embarque dans le camion. Il nous débarque à l'autre bout. On fait 1h30 de marche pour arriver à l'endroit où on commençait le travail. Mais on ne nous avait pas dit qu'il y aurait quelques mouches dans ce coin-là. Oh, en plus, OK. Il n'y avait pas quelques... Des mouches noires, là. Les mouches noires, là, ils étaient toutes là. Mais racontez-moi, là, sauter sur un bio à l'autre, vous avez fait ça? Mais nous autres, là, c'était ce qu'on appelait de la pitoune, là. Ouais. C'était seulement du 4 pieds, ça. Fait que tu pouvais pas sauter de... Non. Alors qu'avant ça, c'était du 12 pieds. Tu pouvais te promener dessus, puis... Donc, c'était pas aussi peut-être pas aussi dangereux, mais non. Ça devait quand même être physiquement assez c'était de pousser le... Oui, puis ça devait être éprouvant quand même. Tu commences... au mois de juin, là, tu choisis tes pitounes, prends plus petites. Oui. Et puis, alors, j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis, sur 4 ans, là, je crois que 5 jours, je n'ai pas été mouillé. On arrivait à la maison. En sueur, quoi? Non. Non? En sautant à l'eau dans la rivière. Ah oui. Le matin, là, souvent, ils nous envoyaient sur une rangée de bois, là. Puis là, t'attendais la damée. Parce que pour que le bois puisse descendre, il y avait des lacs plus haut qui étaient barrés. Puis là, ils faisaient descendre l'eau. Ça arrivait à telle heure, là. Fait que là, t'étais là, toi. T'attendais sur le bout de la rangée, t'envoyais les premières.
Et là, ça s'en allait, ça. Puis t'es arrivé à l'autre bout, floc, dans l'eau. Ça vous permettait, par exemple, d'avoir des sous, j'imagine, pour contribuer aux finances familiales ou payer vos études? C'était pour cette raison-là que vous travaillez? Oui, puis c'était pour dire qu'on travaillait aussi. Là. Oui. On était payé 9,50 $ par jour. 9,50 $ par jour? Beau temps, mauvais temps. Ça, la drève, là, il pouvait pleuvoir à boire debout. Mm-hmm. T'embarquais dans le camion, tu débarquais là-bas, tu faisais, t'étais déjà 10 minutes après, tu étais mouillé. Puis, donc, les camions, je vais en sortir une bonne, là. Allez-y, vous écoutez. Les camions, c'était des camions qui n'avaient pas de suspension, ça. OK. Donc, ça brassait en carrosse. Ouais. On était des petits jeunes là-dedans. Fait que, on les appelait les bandeuses. Ah bon? C'était dur pour la colonne vertébrale. Ah oui, très dur. Il y a d'autres choses. Il faisait ça pendant 4 ans. Oui. Puis, disons que c'était un travail qui. Ça se terminait vers le 15 juillet. Là, on arrivait au village à Saint-Ramon, là. Le monde nous regardait, les jeunes dravés. Oui. C'est une belle période, puis. Je suis sûrement un des derniers draveurs de Saint-Ramon. Ah, bien, coudonc. À mon âge, c'est quelque là. Chose. Donc, on peut dire que cette période-là de votre vie était agréable. Ah, vous avez découvert, oui, vous avez exploré toutes sortes de choses. On était un groupe de jeunes du séminaire, parce qu'on finissait tôt. Et puis, on allait aider les hommes plus âgés qui avaient coupé le bois pendant l'hiver. Puis après ça, ils faisaient la drave. Mm-hmm. Fait que... ils complétaient leur salaire avec ça. Et vous avez donc terminé votre cours classique. Vous avez fait de l'élément latin jusqu'à la philo 2, j'imagine. Oui. Et vous aviez l'intention de vous lancer en médecine à un moment donné. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la médecine? Bien, j'aimais ça, moi. Puis, en tout cas, ça m'intéressait, mais j'avais pas les notes nécessaires dans le temps. Ah, il vous manquait de notes. C'était très sélectif. OK. Fait que j'ai échoué. Tu rencontrais un médecin, là, puis il te posait des questions. Puis, fait que là, je me remonte en vacances. J'étais pendant l'été. Et puis, que faire? Les inscriptions sont faites ailleurs, là. Fait qu'un de mes oncles, mon oncle curé, là, il dit, il y a un cours qui se donne, là, un cours de catéchèse au Grand Séminaire de Québec. Okay. Lui était le grand boss de tout ça. Là. Fait que je vais y aller. Donc, il y avait là-dedans, on devait être une centaine, là, il y avait des curés, il y avait des frères, des sœurs, puis des laïcs. Mais à la fin de l'année, là, ça a défroqué ce monde-là, ça n'a pas de bon sens. On parle de vers quelle année à peu près, là? En 63. Oui, c'était l'année de la Révolution tranquille au c'est Québec. Oui. Tous les changements. Moi, j'ai fait la catéchèse, puis après ça, l'école normale, pour me donner un papier pour avoir le droit d'enseigner. Ça fait que les premières années que j'ai enseigné, j'avais toujours un groupe de catéchèse. Mm-hmm. Et puis, c'était pas une matière facile, ça, la catéchèse. Non, mais là, vous aviez abandonné l'idée de la prêtrise. Oui. Vous étiez plus là-dedans. Oui. Vous dites que c'était pas facile d'enseigner la catéchèse? Non, pas une matière facile, la catéchèse. Hein? Mm. J'avais catéchèse et français. C'est sûr que moi, je préférais le français. Mais catéchèse, je l'ai eu un bout de temps. Même la première année que j'ai enseigné, c'était à Pierreville. Parce que moi, je restais l'année que j'étais à l'école normale, je restais avec un gars qui demeurait à Manceau. Mm-hmm. Puis je devais aller enseigner là. Mais les tout nouveaux, là, ils plaçaient à peu près n'importe où. Fait que Manceau, non. Après ça, Saint-Gertrude, Saint-Sylvaire, j'ai fait mes journées pédagogiques là du début d'année.
Puis j'ai su la dernière journée, le vendredi, que j'étais à Pierreville. Pierreville, c'est où ça va là? Que l'école commence. 5 heures du matin, je prends mon auto puis je m'en vais à Pierreville. C'est arrivé le premier là, d'ailleurs. Mais là, j'avais ma valise, mais je savais pas où je demeurais. Non. Où j'irais coucher le soir. Ça fait qu'il y avait deux autres gars qui venaient de Trois-Rivières. Puis les autres demeuraient à l'hôtel Traversy. Ben oui. Ça fait que je m'en vais à l'hôtel Traversy, puis j'ai ma chambre pour l'année. Non. Elle vient de passer au feu, là, l'hôtel. Oui, ça fait pas longtemps. Ça fait que j'ai fait ma première année à Pierreville. C'était pas un milieu facile, là. Mais t'avais à Pierreville, oui. Notre-Dame de Pierreville, Odanac, oui, oui. Et Saint-François-du-Lac. OK. Puis entre Pierreville et Saint-François-du-Lac, il y a une rivière, là. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas la même mentalité des deux. Bon, je ne sais pas si tu dois connaître ça, toi, là. Un peu. Bien, c'est ça, c'était au primaire que vous c'est enseignez. C'était au primaire. Non, c'était au secondaire. Au secondaire, nous, déjà. On avait secondaire 1, secondaire 2. OK. Puis est-ce que vous enseignez à ce moment-là toujours la catéchèse? Moi, je suis arrivé, puis les horaires étaient faits. OK. Parce qu'il y a un de mes amis qui s'appelait Jacques Beaulec, il l'avait envoyé à Saint-Angèle. Parce qu'il y avait du secondaire, là, aussi. Fait que ils ont fait l'horaire sans moi. Ils m'ont donné toutes sortes de matières. Ah, donc, il a fallu... Français un peu, géographie, catéchèse et activité dirigée, pas de matériel. Fait que ça n'a pas été facile. Puis à ce moment-là, la commission scolaire nous devait un prof pour compléter. Mais à la fin de septembre, arrangez-vous avec ça. Fait qu'on a refait les horaires, à mon plus grand bonheur. Ça fait que là, j'avais eu de la catéchèse au couvent. Il y avait des gars, puis les filles, c'était séparé dans le temps. Hein. Fait que, catéchèse au couvent avec une gang de filles, 14, 15, 16 ans. Mm-hmm. Puis monsieur qui arrive pour donner la catéchèse. Fait que là, j'avais été obligé de garder ma porte ouverte. Puis il y a une sœur qui se promenait dans le corridor pour voir, pour entendre qu'est-ce que je dirais. Ben oui. C'était à l'époque déjà presque où on changeait de système d'éducation. On était dans le début de la Révolution tranquille. Il y avait l'opération 55, les nouvelles écoles secondaires, le rapport parent. On était dans ces années-là. Années-là. Parce qu'à l'école normale, on avait étudié ça, le rapport parent. Oui. Qu'est-ce que ça donnait, puis les changements à l'éducation, puis les polyvalentes qui s'en venaient, puis tout ça. Moi, j'ai enseigné une première année à Pierreville. Après ça, je suis allé à Saint-Zéphyrin, 2 ans. Mais Pierreville, Saint-Zéphyrin, c'est bien différent. Mm-hmm. Saint-Zéphyrin, c'est calme, c'est tranquille. Oui, oui. Puis les élèves sont comme ça aussi, calme et tranquille. Ça fait que j'ai enseigné 2 ans là. Et puis, à la fin de la deuxième année, le 24 juin, c'est pas loin de la fin de l'année, ça, je me suis marié. Bon. À Saint-Raymond-de-Portneuf. Alors, quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais, en 67, 68. J'avais 24 ans. Donc... Vous aviez trouvé... Comment vous aviez trouvé votre conjointe? C'est une amie d'enfance. OK. À Saint-Raymond. OK. Oui, une amie d'enfance. Donc, on s'est mariés le 24 juin. Là, j'ai trouvé un logement à Nicolet. Je m'en allais à Nicolet, là. Mm-hmm. On est allé visiter le mois de juin, on s'en va visiter la polyvalente. Oh, que c'était gros par rapport à... nos petites écoles bien de rang. Bien sûr. Fait qu'en septembre, je suis rentré à Jean-Nicolet, puis on était un paquet de jeunes, là. Des jeunes enseignants? Jeunes enseignants qui avons fait 25 ans, 30 ans ensemble. C'est pour ça qu'on est tissé serré. Non, mais ça devait être une époque stimulante pour enseigner. Effectivement, ah, il y avait toutes sortes de nouvelles méthodes qui arrivaient. Oui, moi,
Les jeunes voyaient l'avenir avec beaucoup d'optimisme. La première année que j'étais là, j'avais des groupes de Français, des trois groupes de Français forts. Il y avait fort, moyen, faible. J'avais des forts. J'en ai corrigé un coup cette année-là. Ouais. Ah, ouais. Il fallait des bourrés d'ouvrages pour que... Donc, vous n'avez pas regretté de ne pas, de pas avoir fait la médecine, finalement. L'enseignement, non, ça a été, c'est un milieu qui était intéressant. Je crois que j'ai assez bien réussi. Oui. Quand un élève vient te dire, un ancien élève vient te dire, « T'étais mon meilleur », ça, ça fait un petit velours. Oui, recevoir ce genre de compliments-là, ouais, ça fait un petit savoir velours, qu'on transmet des choses, ça fait partie du... Ouais. J'aimais les élèves, j'aimais l'enseignement, puis j'aimais les élèves. Mm-hmm. Fait que, ça ne me gênait pas des fois de les mettre à la porte, là, mais... Bien, écoutez, on va en reparler un petit peu plus dans une deuxième émission, parce que là, on me dit que notre temps d'antenne achève pour cette première rencontre. Alors, merci d'avoir été avec nous. Puis gardez-vous frais et dispo, parce qu'on va se revoir dans un avenir rapproché. Et donc, je vous dis que c'est terminé pour le moment. On, à la prochaine. Merci beaucoup.